La fête, la couleur, la joie. Le passé, les costumes. C'est une identité, ça fait vraiment partie intégrante d'un patrimoine. Et pour Marseille, instantanément, je pense aux sardines. Old clothing and dancing, music. Il est déguisé en bouffon, avec des petites clochettes sur la tête qui fait comme ça. Tradition, danse. À Marseille, le mélange des cultures. Mythe, légende et croyance. Des contes et des choses qu'on transmet. On a le traditionnel apéro à Marseille. Lou tambourinaire, je sais pas pourquoi. Comme ça. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver au MUCEM. Vous le savez, le contexte est un peu particulier. Comme tous les lieux de culture, le MUCEM a fermé ses portes il y a quelques jours. Mais ses équipes ont gardé à cœur l'envie de garder le contact avec le visiteur, avec le public, avec vous. C'est pour cette raison que nous avons décidé de vous proposer cette émission malgré tout. Elle devait marquer en fait l'ouverture de l'exposition Folklore au public dès demain. Bien entendu, elle sera un peu différente. Elle aura pour objectif de vous donner envie de revenir au musée dès que cela sera possible à nouveau. Alors aujourd'hui, avec mes invités, nous n'allons pas vous dévoiler tout le contenu de cette exposition Folklore, mais on va surtout vous emmener en coulisses et vous montrer un aperçu de ce que vous pourrez découvrir quand vous viendrez ici au MUCEM. Vous l'avez vu avec ce micro-trottoir pour le moins sympathique, le folklore est une notion qui inspire plusieurs réflexions. Que vient faire le folklore dans un musée? Quelle est sa relation avec l'art et quel est l'objet de cette exposition? Sur le plateau avec moi, Marie-Charlotte Calafa, commissaire de l'exposition Folklore. Elle nous donnera des explications dans quelques instants. Mais tout de suite, je vous invite à rencontrer Jean-Marie Gallet. Jean-Marie Gallet est co-commissaire de l'exposition Folklore, mais il est aussi responsable du pôle programmation du Centre Pompidou Metz. Nous l'avons suivi dans les salles d'exposition pendant le montage. L'exposition Folklore s'intéresse à ce mot, à cette notion de folklore, en se demandant comment on a pu la définir, d'où vient ce mot, mais surtout comment les artistes ont pu jouer de cette notion. Je vais donc maintenant vous emmener dans cette exposition afin de découvrir ensemble quelques-uns des objets et des œuvres qui sont un peu les coups de cœur pour moi et qui témoignent de cette relation entre art et folklore. On commence tout de suite en allant dans les années 1890 en Bretagne. Vous avez donc ici cet objet, cette paire de sabots d'Émile Bernard, un prêt assez exceptionnel, quelque chose qu'on voit très rarement. Il faut savoir que Paul Gauguin a aussi sculpté au moins 4 paires de sabots. Paul Sérusier aussi, on l'appelait le nabi aux sabots de bois. Il y a vraiment une espèce de rituel qui naît chez ces artistes qui consiste à sculpter sa propre paire de sabots. Derrière moi, deux œuvres d'un artiste contemporain suisse qui s'appelle Valentin Caron, qui vient de la région du Valais. Et Valentin Caron a toute une pratique de sculpture dans laquelle il revisite des œuvres que l'on peut dire vernaculaires, des œuvres vraiment issues de cette culture du canton du Valais. Quand on a construit son chalet, on le nomme et le forgeron du village vient appliquer le nom sur la façade. Valentin Caron a demandé au forgeron de son village d'écrire le mot authentique sans lui donner aucune consigne. Pour que ce soit authentique, il fallait que le forgeron fasse comme il fait d'habitude. Simplement, il va juste lui dire d'écrire ce mot authentique avec un K. Pourquoi écrire authentique avec un K? Il y a déjà l'idée d'une fausse note. Et puis, il y a aussi un clin d'œil à l'album d'NTM, le groupe de rap qui sort à ce moment-là. Et authentique avec un K, c'est aussi pour un jeune artiste suisse affirmer que même s'il vit dans une vallée de cartes postales, dans un petit chalet dans le Valais, eh bien sûr, la jeunesse suisse écoute le même rap, la même culture urbaine a aussi été jusque dans ces montagnes suisses. On est dans la dernière partie de l'exposition qui s'appelle « Un folklore planétaire point d'interrogation. Est-ce que le folklore, qui est quelque chose de très local, peut tout d'un coup devenir quelque chose de planétaire? Une réponse apportée ici par un duo, il s'appelle Come and Come, dans la vallée d'Urnèche. Il y a une tradition très ancienne, on coupe le dernier arbre avant les chutes de neige, on le descend dans la vallée. Il y a toute une sorte de procession qui est organisée avec des gens déguisés, des musiciens. Et il y a une grande vente aux enchères sur la place du village. Chaque année, habituellement, c'est une famille qui a une scierie, qui fabrique des objets en bois, qui achète cet arbre et puis l'arbre devient des meubles. Mais en 2011, c'est deux artistes qui remportent l'enchère à la surprise générale et ces artistes vont décider
de faire faire un tour du monde des folklores à ce tronc d'arbre issu de cette région suisse. Le tronc d'arbre, ils vont donc l'acheter, ils vont le mettre sur une remorque. Et vous avez ici une carte qui montre ce tour du monde qui a commencé en 2011, qui est actuellement encore en train de continuer, puisque l'arbre est au Chili à l'heure où je vous parle. Et à chaque fois, cet arbre a rencontré des Indiens en Amérique, il a rencontré des poètes au Chili, il a rencontré des artistes en Chine, des enfants à Johannesburg, et il va à chaque fois se nourrir de ces différents folklores du monde entier. L'arbre se retrouve sculpté, scarifié, béni, décoré, etc. Il se charge de tous ces folklores, et la vocation de cet arbre est de revenir au bout de plus de 10 ans de tour du monde dans ce village suisse. Il y a un peintre un peu naïf qui réalise des peintures à partir de photographies. C'est un peu comme le nain de jardin dans Amélie Poulain. Il lui envoie des cartes postales des différents endroits où cet arbre circule. Et à chaque fois, cet artiste réalise une petite peinture. Donc on a ici 10 étapes de ce tour du monde. On va retrouver l'arbre à New York, l'arbre à Shanghai, l'arbre à Johannesburg, l'arbre à Berlin, etc., etc. Voilà, c'est l'un des exemples, il y en a beaucoup dans cette exposition et c'est l'un des enjeux de ce projet qu'on a fait avec Marie-Charlotte Calafat, d'essayer véritablement de dépoussiérer cette notion de folklore qui avait été assez longtemps déconsidérée et qui est pourtant d'une richesse inouïe. Marie-Charlotte Calafat, bonsoir. Nous venons d'entendre Jean-Marie Gallet, qui est co-commissaire de l'exposition Folklore et également responsable du pôle programmation du Centre Pompidou-Metz. Cette exposition, c'est le fruit d'une réflexion commune et d'un travail conjoint entre le MUCEM et le Centre Pompidou-Metz. Pouvez-vous nous dire quelle a été la part de chacun et comment vous avez travaillé ensemble ? Oui, alors effectivement, c'est un projet de partenariat, d'exposition, avec d'un côté donc Jean-Marie Gallet pour le Centre Pompidou-Metz et moi-même pour le MUCEM. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur deux institutions, déjà avec un ancrage régional fort. D'un côté, Metz, situé en Lorraine, donc une ouverture vers l'Europe, et Marseille pour le MUCEM, avec cette ouverture sur la Méditerranée. Deux terres très importantes de développement du folklore et deux institutions qu'on pourrait imaginer être un peu à l'opposé, dans un sens où le Centre Pompidou-Metz est un centre d'art contemporain. Le MUCEM, lui, est un musée de société, et l'avantage de cette collaboration, elle est de pouvoir s'appuyer sur des collections. Tout d'abord, donc, celle du Centre Pompidou Paris. Il y a plus d'une centaine d'objets ici présents qui sont réunis, en particulier les fonds d'ateliers comme Kandinsky, Brancusi, qui sont convoqués pour cette exposition, et plus de 190 objets d'art populaire que le MUCEM a hérité via l'histoire longue du musée d'ethnographie du Trocadéro jusqu'au musée des arts et traditions populaires jusqu'au MUCEM à Marseille. Et donc, c'est une manière de questionner les liens entre art et folklore avec des objets d'art populaire et folklorique et les artistes d'avant-garde de la fin du 19e jusqu'à aujourd'hui. Alors justement, pourquoi explorer cette piste de la relation entre l'art et le folklore, et pourquoi le musée s'intéresse-t-il au folklore, on a envie de vous dire? Alors, le folklore est un terme assez intéressant qui évoque les savoirs du peuple. A priori, on est sur quelque chose d'assez immatériel et dont l'histoire a fait qu'on a une vision assez péjorative du mot. Toutefois, du point de vue de l'histoire de l'art, ce qui est révélateur là dans l'exposition, c'est à quel point les artistes ont su voir dans le folklore, aussi bien d'un point de vue disciplinaire que du point de vue des objets et des domaines du folklore, un centre d'intérêt pour renouveler leur art. Et donc, on est là sur une formule très intéressante, c'est-à-dire que d'un côté, le folklore, on a une idée de quelque chose de passé, de traditionnel, d'ancien, et on confronte ça avec des artistes qui ont véritablement renouvelé l'histoire de l'art, qui font partie de cette avant-garde. Et ces folkloristes sont des formes un peu de demi-savants, tournés vers le passé, et les artistes, eux, tournés vers cette avant-garde. Et donc, on a ce croisement qui est opéré dans cette exposition qui permet, il me semble, voilà, de retravailler, de redonner du sens au folklore aujourd'hui.
Donc, dans le reportage, Jean-Marie Gallet nous a montré quelques œuvres incontournables. Il en est une qu'on ne peut pas rater, hein, tant elle est imposante et majestueuse, c'est cette fameuse porte roumaine. Je vous invite à la découvrir tout de suite et surtout à voir quelques petits secrets de montage. Cette porte roumaine présentée dans l'exposition Folklore a été donnée par le gouvernement roumain suite à l'exposition internationale de Paris en 1937 à la France. Du chêne, donc c'est une pièce très lourde, qui est en fait composée par différents pans, donc son remontage est toute une opération sous forme de kit qui en fait est un travail aussi qui montre tous les assemblages, tout le travail d'assemblage du bois. Et c'est une pièce qui a fait l'objet d'une restauration en amont de sa présentation. Une opération aussi a été faite avec des socleurs qui en fait permettent d'assurer la pièce une fois qu'elle est présentée, donc toute cette stabilité. Et il y a eu aussi l'intervention donc, de transporteurs qui ont engagé du coup tout un certain nombre d'engins de levage et autres pour permettre à la fois son transport et son installation. Marie-Charlotte Calafa, pouvez-vous nous parler de cette porte roumaine qui est impressionnante, hein, faut bien l'avouer. Quelle place occupe-t-elle dans l'exposition ? Alors là, on est dans la première section de l'exposition sur la quête des origines, sachant qu'il y a cinq sections dans l'exposition. La première montre l'intérêt d'artistes à découvrir des territoires dont ils sont pour certains natifs, d'autres non. Et là, on est dans une section autour de Brancusi, cet artiste roumain de l'avant-garde qui provient d'une région de la Roumanie, du sud-ouest de la Roumanie, de l'Olténie. Et c'est cette même provenance de cette porte roumaine qui, on l'a vu hein, dans le film, a été présentée dans le pavillon roumain de l'exposition de Paris en 1937 comme une pièce magistrale montrant le savoir traditionnel des paysans roumains. Et ce qui est intéressant dans sa juxtaposition avec l'œuvre de Brancusi ou d'artistes contemporains comme Holos, Mircea Cantor, c'est à quel point il montre dans le travail du bois quelque chose qui permet le renouveau de la sculpture. Et donc cette juxtaposition formelle montre un intérêt sur une matière, sur des motifs qui évoquent bien évidemment le folklore traditionnel roumain. Cette exposition, elle permet ça, elle permet un jeu de regard entre des œuvres d'artistes, des pièces considérées comme relevant du folklore et avec, pour certaines, une connotation historique forte, comme c'est le cas de cette porte roumaine. Marie-Charlotte Calafa, merci infiniment. Je vous propose à présent de nous glisser dans les coulisses de l'exposition Folklore. C'est parti. Bienvenue au centre de conservation. Je vous emmène dans notre zone de transit où vous allez pouvoir assister à l'emballage et le tamponnage des objets que l'on doit vous apporter sur Omusem pour l'exposition Folklore. Au CCR, on a un atelier de menuiserie en cadre, donc où on peut fabriquer nos propres cadres à dimension de nos documents. Un atelier montage dessin où on peut, avec une biseauteuse numérique, nous fabriquer ce que l'on appelle le passe-partout et aussi le travail du plexi pour ce que maintenant le mode générique c'est de l'encapsulage. Donc voilà, ici on peut tout faire. On peut emballer puisqu'après on a tout notre matériel, que ce soit du carton, du bulle, papier de soie, que l'on peut aussi réemployer puisqu'en fin de compte c'est quand même de la matière première et quand c'est propre, et bien en fin de compte il n'y a pas de raison de le jeter. Donc on le garde, on le réemploie. Après X emplois, on finit quand même par les jeter. Mais sinon, après, donc, on emballe. Tout à l'heure, j'irai chercher le véhicule pour pouvoir charger, pour être prêt demain à partir à la première heure pour le J4, pour être au rendez-vous à 9h et pour le déchargement des objets. Pour
cette exposition, nous avons un peu plus de 200 œuvres qui viennent spécifiquement des collections du MUCEM. Donc ça représente un tout petit peu moins de 2/3 de l'exposition. On travaille avec des transporteurs d'œuvres d'art agréés qui ont donc toutes les compétences pour ce faire et qui prennent toutes les précautions pour le transport des œuvres d'art. Cinq semaines en général avant l'ouverture d'une exposition commence l'aménagement, à proprement dit, la fabrication en fait de l'exposition, qui fait intervenir différents corps de métier, donc l'aménagement général qui va construire véritablement les murs, le mobilier, les vitrines, etc. Des entreprises spécialistes en électricité, câblage, installation des audiovisuels. Également des socleurs qui vont réaliser des petits socles sur mesure pour pouvoir disposer les œuvres. On est vraiment sur une montée en puissance du début jusqu'à la fin parce que au début on est sur des premiers échanges, des intentions de projet et quand on arrive sur un montage d'exposition, toute l'équipe et même avant est mobilisée en tant que régisseur d'œuvres d'art, des techniciens d'espace, les régisseurs d'espace, la production. C'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de voir toute cette synergie, cette ambiance aussi autour du projet pour aboutir dans l'effervescence totale quelques jours avant l'ouverture au public. Laetitia Olivier, bonsoir. Vous êtes chargée de production des expositions au MUCEM. Ces œuvres que nous venons de voir dans le reportage, d'où viennent-elles ? Elles proviennent de différentes institutions, que ce soit des institutions publiques, de collectionneurs privés également. On peut aussi emprunter des œuvres directement auprès des artistes, que ce soit donc en France ou forcément à l'étranger, Europe ou extra-européenne. Alors, quel est le parcours d'une œuvre qui arrive au MUCEM pour y être exposée ? Quelles sont les étapes comme ça qui sont prévues ? Je pense que vous voulez parler aussi du transport, du coup, moment où l'œuvre est enlevée. Elle est vraiment cherchée chez le prêteur par les transporteurs, comme on les a vus sur les images, qui viennent prendre les mesures spécifiques aussi des pièces pour adapter les emballages au transport, faire des emballages sur mesure, parfois tailler des mousses exactement aux bonnes dimensions, pour qu'après, le transport étant une opération quand même délicate du montage de l'exposition, l'objet subisse le moins de dommages possibles, et même pas du tout, jusqu'à son arrivée au MUCEM. La particularité de cette exposition, c'est qu'elle a déjà été montrée au Centre Pompidou-Metz. Est-ce si fréquent, ces expositions itinérantes ? Oui, tout à fait. Je pense que c'est quelque chose qui est en train de se généraliser, peut-être de devenir un peu plus fréquent. Au MUCEM, par ailleurs, nous avons déjà eu des expositions qui ont comme ça pu voyager. Je pense à l'exposition du Buffet, par exemple. Et à mon avis, cette collaboration entre institutions va être sans doute va se renforcer dans les temps qui viennent. Alors, pouvez-vous nous parler du CCR ? C'est un lieu dans le dispositif MUCEM qu'on connaît peut-être moins. Pouvez-vous nous en parler, nous dire comment et quand on peut visiter le CCR ? Le CCR est le centre de conservation et de ressources du MUCEM. C'est effectivement un bâtiment qui est en dehors du bâtiment du J4, dans le quartier de la Belle de Mai. Et c'est un bâtiment qui conserve toutes les collections du MUCEM, près de 350 000 objets. Il est ouvert au public sur réservation si des chercheurs veulent venir justement observer, consulter des objets. On l'ouvre aussi au grand public lors d'événements spécifiques. La spécificité du CCR, c'est d'avoir une réserve qui a été conçue pour être visitable et qui montre justement à la personne qui va pouvoir y avoir accès la façon et les particularités de conservation diverses suivant les types d'objets. On organise des visites de cet appartement dit appartement témoin. Alors on a vu dans la vidéo qu'il fallait prendre bien entendu des précautions tout à fait particulières pour le transport des œuvres en général et de certaines plus spécialement. Quelle est la teneur des assurances, des contrats avec les prêteurs ? Est-ce que chaque œuvre par exemple doit être transportée selon des conditions spécifiques ?
Tout à fait. Tout à fait, chaque œuvre va avoir son carnet de voyage, son carnet de route, on va dire, sur le transport, mais aussi sur l'installation. On va avoir des précisions de la part des prêteurs sur une certaine mise en vitrine, sur un socle adapté, sur une lumière particulière, pas trop lumineuse, par exemple, pour des œuvres d'art graphique. D'accord. Quelle est la demande la plus insolite de la part d'un musée ou d'un collectionneur concernant une œuvre que l'on vous a prêtée ? Insolite, je vais penser au petit cabinet de Suzanne Hiller qui nous a été prêté par l'Allison Gallery. En fait, il s'agit d'un petit meuble avec des petites fioles que l'artiste a récoltées et qui contiennent des eaux miraculeuses qui proviennent du monde entier. Il doit y avoir une petite centaine de fioles et nous avons tout un plan de montage pour cette œuvre avec l'emplacement exact de chaque fiole sur les étagères du cabinet avec des rangs de présentation. Et il a fallu respecter l'emplacement exact de chaque fiole pour le remonter et le présenter au public. Donc ça nécessite quelques petites heures d'installation. Donc vous aviez un plan détaillé. On avait un plan détaillé, effectivement, un dessin, fiole par fiole, avec des photos à l'appui, et un plan de montage étagère par étagère. On ne s'en rend pas trop compte quand on voit l'œuvre, mais effectivement, ça nécessite de la précision. Oui, c'est intéressant à savoir. Combien de temps à l'avance doit-on s'y prendre pour monter une telle exposition ? On sait que le temps des expositions est un temps long, mais celle-ci, par exemple, a demandé combien de temps ? En général, au service de la production, quand on se saisit d'un projet, c'est souvent 2 ans environ avant l'ouverture. Il faut dire que dans la tête des commissaires d'exposition, c'est des projets qui mûrissent depuis encore de plus nombreuses années. Donc, étant donné que l'exposition a été prévue et a été présentée à Metz au printemps dernier, vous imaginez qu'effectivement, rétrospectivement, c'est un projet qui nous anime depuis de nombreuses années. Avez-vous des anecdotes étonnantes ? Vous savez qu'on en est toujours friand concernant le montage de cette exposition-ci. Alors, bon, vous nous parliez des petites fioles qui devaient correspondre à un plan super détaillé. Avez-vous, par exemple, ce genre de cas sur cette exposition ? Et quel est le plus long trajet effectué par une œuvre de l'exposition Folklore ? Le plus long trajet, à mon avis, ça va être des collections qui nous viennent de Pologne, de Varsovie, plus exactement. Et en anecdote, je ne sais pas si c'est vraiment une anecdote, mais c'est intéressant de le signaler, on a un artiste qui est venu intervenir dans l'exposition. Il s'appelle Mircea Cantor et il a créé une œuvre spécifiquement pour ce projet. Il s'agit d'une peinture peinte directement sur le mur de la salle d'exposition. Et c'est assez étonnant de se dire que cette œuvre n'existe que dans le cadre de ce projet. Et elle y restera ? Elle y restera le temps de la durée de l'exposition. D'accord. Ce n'est pas une œuvre qu'on conserve par la suite. Elle d'accord, est d'accord. De elle fait éphémère. Elle repartira avec l'exposition. Merci beaucoup, Laetitia Olivier. C'est passionnant de découvrir toutes ces choses auxquelles on n'a pas accès d'ordinaire. À présent, pour terminer cette émission, nous avions prévu de vous parler des événements organisés autour de l'exposition. Vu le contexte, bien entendu, il est impossible de savoir si cette programmation sera maintenue. Mais le MUCEM tient à garder le lien avec ses visiteurs, avec vous. Pour en parler, le moment est venu d'inviter Cécile Dumoulin, responsable du département du développement culturel et des publics du MUCEM, et Dalila Belaza, danseuse et chorégraphe. Elles nous rejoignent sur ce plateau. Donc une exposition au MUCEM, c'est toujours bien plus qu'un parcours à travers des œuvres. C'est aussi, à chaque fois, une programmation culturelle en lien avec la thématique de l'expo. Cécile Dumoulin, pouvez-vous nous présenter le principe de ces programmations culturelles ? Oui, alors effectivement, les expositions, la diversité des expositions qui sont proposées au musée sont une manne, en fait, pour proposer également au public des spectacles, des conférences, des projections, des propositions pour les enfants, voilà, etc. Ça peut être des marionnettes, ça peut être... Voilà. On a vraiment un panel très divers de propositions qui nous est également permis par les lieux, en fait, enfin, notamment l'auditorium, hein, et puis les espaces extérieurs du musée, les jardins, l'été. Donc habituellement, effectivement, on a un terrain de jeu qui est extrêmement riche, varié et porteur, et qui nous permet, je pense,
de rendre le musée toujours plus vivant et également de rendre justice à la dimension immatérielle du patrimoine, puisque c'est le rôle d'un musée aussi de société, de civilisation, que de montrer ce qui est immatériel et qui est un peu plus difficile à montrer dans le cadre d'une exposition, même si bien évidemment il y a beaucoup de vidéos qui le font. Oui. Alors, autour de l'exposition Folklore, il était donc prévu un certain nombre d'événements, et notamment la journée Carnet de bal. Dalila Belaza, votre spectacle s'inscrit dans cette idée. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre proposition? En quoi est-elle pleinement dans la thématique du folklore? Alors, il se trouve que je suis en création donc, depuis maintenant un an sur cette pièce qui s'intitule Au cœur. Et que la rencontre avec le MUCEM s'est faite vraiment de façon imprévue. Je travaillais de mon côté et je ne savais pas que l'exposition folklore allait avoir lieu ici, ni même qu'elle allait exister. Et donc moi j'ai débuté ce travail en fait avec un groupe de danse folklorique il y a un an maintenant. J'ai été invitée dans le cadre du siècle Soulage à l'occasion des 100 ans par deux artistes en fait verriers qui m'ont invitée à... dans le cadre d'une exposition qui s'appelait Première Lumière, et qui était l'idée était de traduire par le mouvement le projet. J'ai souhaité à cette occasion-là rencontrer en fait des communautés du territoire. Je trouvais ça ça rentrait en résonance avec le projet lui-même. J'ai donc rencontré ce groupe de danse folklorique et j'ai fait la proposition à toute cette petite communauté d'essayer de travailler ensemble. Ça a été, ça l'est toujours, en fait. C'est vraiment une rencontre de mondes étrangers l'un à l'autre. L'idée étant de travailler sur une question de dialogue entre leur danse, la mienne, de leur faire faire un pas de côté et me faire faire un pas de côté aussi. Parce que mon idée première n'étant pas d'étudier le folklore. J'allais vous demander quel était votre point de départ, votre réflexion de départ pour la création de ce spectacle. C'est un peu celle-là. C'est-à-dire qu'en observant cette danse-là, je me suis dit que ça serait intéressant en fait de créer un espace de résonance autour de leur danse, en fait, de les sortir peut-être de leurs références habituelles. C'est une danse assez festive qui se base essentiellement sur un pas qui est labouré. Il y a toute une célébration, une joie, etc. Et moi, mon idée, c'était presque de les déplacer à un endroit où ça devient s'attarder sur le geste, l'épaisseur du geste. J'ai travaillé sur différentes temporalités, à essayer de ralentir des choses et laisser voir en fait tout un autre paysage que celui de la célébration et de mettre ça évidemment en dialogue avec ma matière à moi chorégraphique qui est elle contemporaine en fait. Vous auriez imaginé un jour travailler avec des danseurs de danse folklorique? Absolument pas. Je crois que eux non plus n'auraient pas pensé travailler avec une chorégraphe. Ils sont vraiment les héritiers d'une culture rurale, d'un imaginaire, et moi je viens pas de là. Et néanmoins, je veux dire, au fur et à mesure de du travail, de notre rencontre, etc., je pense qu'on se trouve bien plus d'affinités et d'endroits de rencontre qu'on aurait pu penser possible au départ. Cécile Dumoulin, nous ne savons pas quand le MUCEM pourra rouvrir ses portes. Est-ce que ces événements autour de l'exposition vont laisser place à des rendez-vous virtuels, à distance? Lors du dernier confinement, il avait été créé un hashtag tout spécialement. Comment ça va se passer cette fois-ci? Oui, alors on espère effectivement que le spectacle de Dalila pourra avoir lieu le 16 janvier. C'est ce qui est prévu pour le moment et ce qui était prévu jusqu'à présent. Donc pour Noël et en janvier, on a des propositions qui sont toujours en cours ici, in situ, et qu'on espère pouvoir tenir. Pour la période actuelle jusqu'à la fin du confinement, on a effectivement réactivé le hashtag Le MUCEM chez vous et j'ai tenté de dire que malheureusement on est plus réactif plus rapidement parce qu'évidemment on a tiré un peu les leçons du passé. Notamment, je pense qu'on avait prévu que certains des rendez-vous puissent se tenir également à distance. Donc en fait, il y aura deux ensembles.
D'une part, c'est un peu l'occasion finalement, ce confinement, de découvrir les visages et les coulisses du musée, peut-être des choses qu'on ne peut pas voir finalement quand le musée est ouvert. Donc, on parlait tout à l'heure du centre de conservation et de ressources, mais on a aussi une visite secrète qui permet d'aller dans des endroits dans lesquels on n'a pas accès normalement. Donc, tout ça va être disponible en ligne. On est en train d'imaginer aussi un moment de rencontre, un rendez-vous avec les commissaires d'exposition et leur choix d'œuvre. Donc, c'est leur parole directe qui sera proposée. Et également, les anges gardiens du musée. Donc là, d'autres visages qu'on ne voit jamais non plus, ceux des femmes de ménage, des gardiens, etc. Et leur parole qu'on n'entend jamais. Donc, voilà, c'est un petit peu tout ça. Ça, c'est un premier pan. Et un deuxième pan qui consiste à donner rendez-vous pour des événements en ligne, hein, du coup. Mm-hmm. Donc, d'une part, les lundis du MUCEM, qui est un rendez-vous, un cycle de conférences qu'on avait pensé prévu de novembre à avril, tous les lundis soirs, et qui se tiendra donc en ligne, à la fois sur YouTube et sur Facebook, de manière à ce qu'on puisse partager. Donc, hier soir, c'était le lancement autour avec l'INA, notamment en lien, sur le sujet du Covid, donc de la première vague du Covid et de la manière dont les médias l'ont couverte. Et le 30 novembre, on aura une rencontre avec Marie-Charlotte autour d'un objet des collections qui n'est pas présent dans l'exposition Folklore, mais qu'on ira chercher dans les réserves pour dialoguer avec elle et un musicien autour de cet objet que je laisse pour l'instant mystérieux volontairement. Le week-end, le samedi, on va proposer un rendez-vous pour les enfants et les familles, puisque on sait que malheureusement, il ne sera pas possible aux familles de sortir le week-end. Donc, dans la période de l'Avent, toujours en lien avec l'exposition Folklore, un certain nombre de propositions qui vont être à la fois des tutos, donc des ateliers, également des dessins animés, des contes. Je laisse les téléspectateurs. Non, ce n'est pas vraiment une émission, mais ça prendra un peu cette forme. On laisse un peu l'effet de surprise. L'effet de surprise pour ce samedi. Très bien, merci infiniment. Il est presque temps de se quitter, mais voyons d'abord un extrait du spectacle de Dalila Belaza au chœur, donc avec des danseurs du groupe de danse folklorique Lou Castellou de Sénergues. Dalila Belaza, on va juste redonner la date de votre spectacle. Alors, si tout va bien, ce sera le 16 janvier prochain. Très bien. Non, il faut le noter. Merci à tous les invités qui sont venus nous rejoindre ce soir sur ce plateau. Le MUCEM adresse
également un merci tout particulier à la CEPAC et à PwC, mécènes de l'exposition qui, malgré les circonstances, ont maintenu leur engagement. Quant à moi, il ne me reste à vous dire qu'une chose, qu'on espère vous retrouver très vite, très bientôt au MUCEM pour découvrir cette exposition folklore. N'oubliez pas que dans les semaines qui viennent, le MUCEM va continuer à inventer une nouvelle relation avec vous, une nouvelle relation avec le public, en vous offrant du contenu, des émotions, des événements pour vous faire découvrir des choses à distance. Pour terminer, je vais vous montrer le catalogue de l'exposition qui sera disponible à la librairie du MUCEM dès que celle-ci, bien entendu, sera ouverte, ainsi que le petit journal qui, celui-ci, est plus à destination des enfants. Il ne me reste qu'à vous dire à très bientôt au MUCEM, à très bientôt et en vrai cette fois.